La parade des déesses à Paris, de l'Arc de Triomphe à la Tour Eiffel, plus de 1500 de ces voitures qui avaient fait sensation il y a 50 ans lors de leur présentation au Salon de l'Automobile. Depuis, 1,5 million d'exemplaires ont été vendus en France et à l'étranger. La déesse Citroën à l'image d'une époque pour ses collectionneurs passionnés. Nicolas Lemarinier, Jean-Louis Melin. Le réveil est difficile, il est 8h du matin, mais pas question de rater le défilé. 1600 déesses à la queue leu-leu rassemblées dans Paris. Déesses à fourrure pour l'hiver, déesses cabriolet pour l'été, bref, des modèles pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Au volant de sa décapotable, Dominique de Richter, lui, boit du petit lait. Pour moi, ce rassemblement, c'est presque un des plus beaux jours que je vis, parce que j'en ai jamais vu autant de déesses. Et pour moi, il y a tous les modèles, toutes les couleurs, tous les intérieurs possibles. Le trésor de ce collectionneur se cache derrière une porte de garage. 4 déesses, des voitures extrêmement rares, qui n'existent plus qu'à quelques exemplaires chacune. Comme par exemple ce coupé chaperon. C'est disons un peu le Graal dans la DS, parce que il y en a eu 9, il en reste 3. Des véhicules modifiés comme cette DS Concorde, transformés pour que les chefs d'entreprise puissent s'y asseoir sans enlever leur chapeau. Et puis donc il y a la DS Cabriolet, idéale pour une petite croisière. C'est pas une voiture qui est sportive, il y a une apparence un peu de bateau. On navigue. En 50 ans, la DS a connu des hauts et des bas. Et même si elle a tourné de l'œil en 1975, pour ses fans, elle tient toujours la route.